Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui j'aimerais vous parler des valeurs. C'est parti! Parfois, on ne se sent pas à sa place, on n'est pas épanoui dans sa vie et on ne sait pas franchement ce qui ne va pas. On a l'impression d'être dans un job qui nous plaît, peut-être qu'on a l'impression de faire l'activité qui nous plaît, peut-être qu'on a déjà fait une reconversion, qu'on s'est lancé dans une nouvelle activité et qu'en fait on n'est pas vraiment épanoui, on n'est pas serein, on ne respire pas la joie de vivre. Donc ce qui est hyper important ici, c'est d'aller regarder nos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui est important pour nous? Donc, par exemple, comment on trouve une valeur fondamentale? On va déjà se poser des questions. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie en général? Qu'est-ce qui est important pour moi de créer ma propre entreprise? Par exemple, d'être libre. D'être libre, ça me permet quoi? Bah, ça me permet de pouvoir gérer mes horaires. De pouvoir gérer mes horaires, ça me permet quoi? Bah, ça me permet de plus voyager. Ok, donc le voyage, c'est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi dans le voyage? Bah, c'est de rencontrer des nouvelles cultures, c'est la découverte, la stimulation. Ok, donc j'aime bien être stimulée. Moi, je suis quelqu'un qui est drivé par la stimulation. Donc, on va vraiment aller chercher ce qu'il y a derrière ça. Par exemple, on peut dire, moi, j'ai choisi cet emploi parce que j'ai beaucoup plus d'argent. Ok, ben, qu'est-ce qui est important pour moi derrière cet argent? Comment je le dépense, cet argent? Ben, je le dépense dans ceci, dans cela. Et ça me permet quoi, du coup? Ça me permet de vivre quoi d'avoir cet argent? Ben, ça peut être pareil, la transmission. Ça peut être une contribution, la contribution à un monde meilleur. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui en redonnent beaucoup. Pourquoi? Parce que le fait de contribuer, ça les rend heureux. Donc, en fait, quand j'ai des clients qui me disent « Ah mais Manu, voilà, moi j'ai besoin de changer de carrière, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux », mais c'est pas tant le quoi en fait qu'il faut chercher ici, c'est qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans mes cellules, qu'est-ce qui est important pour moi à vivre à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter comme émotion. Mais par exemple, je vais vous donner deux valeurs par exemple que moi j'ai, c'est la contribution, la transmission et de pouvoir aider les autres. Donc quand j'aide les autres, ben quand je fais du coaching individuel, j'ai ce ressenti d'aider l'autre. Donc je suis dans cette valeur là. Mais si j'ai envie de transmettre quelque chose, eh bien je vais être plus dans une dynamique d'atelier où là je vais transmettre du contenu, je vais transmettre des connaissances que moi j'ai acquises et du coup je vais aller transmettre mon savoir. Donc ces deux valeurs qui sont différentes, c'est pas exactement la même. Et par exemple, il y a plein de façons de transmettre. Il y a quelqu'un qui va transmettre par l'écriture, il y a quelqu'un qui va transmettre un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être. Et donc il y a plein de façons de faire. Mais si on est drivé par exemple la transmission ou la contribution, eh ben il va falloir pouvoir avoir quelque chose dans notre activité de tous les jours ou en tout cas dans nos loisirs. On n'a pas besoin d'en faire son job, juste qu'on ait des valeurs qui soient retranscrites dans tous nos domaines de vie. C'est ça qui va créer l'épanouissement. Je vais vous donner aussi un petit outil qui est super, c'est Schwartz en fait. Il a développé la théorie des valeurs. Il a remporté en 2007 le prix en Israël de psychologie. Donc Schwartz en fait, il a défini les valeurs fondamentales en 10 valeurs. Il les a simplifiées. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Dès qu'il a dit, ok, il y a l'autonomie, il y a l'universalisme, il y a la bienveillance, la tradition, la conformité, la sécurité, le pouvoir, la réussite, l'hédonisme et la stimulation. Et là, vous pouvez vraiment retrouver vos valeurs à vous qui vont rentrer dans ces cases-là. Et une fois que vous avez fait ce travail intérieur, en fait, de vos valeurs, vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de contribuer, j'ai besoin de sentir que moi, je fais une différence dans le monde. J'ai besoin d'avoir cette forme de réussite. Ok, j'ai besoin d'avoir une forme d'autonomie, de sécurité. Qu'est-ce que je mets en place dans tous mes domaines de vie pour que ces valeurs fondamentales soient, je sais pas comment dire, mais enfin voilà, qu'elles soient satisfaites en fait, voilà. Et en fait, on a plusieurs valeurs fondamentales, bien sûr, mais on en a toujours deux, trois qui sont les plus fortes.
Et donc, c'est ces trois-là qu'il faut vraiment regarder en profondeur, parce que c'est là, en fait, où on va pouvoir rétablir l'épanouissement dans certains domaines, dans certaines activités. Ça peut être dans notre activité aussi professionnelle. Parfois, on commence, on crée notre entreprise, on est drivé, on y va et on ne sent pas épanoui. Mais parce qu'en fait, il y a une valeur qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout stimulée ou qui n'est pas du tout épanouie. Donc, il faut venir changer quelque chose, rajouter quelque chose, transformer quelque chose pour que cette valeur soit tickée et du coup on peut avancer et se sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus aligné, beaucoup plus sereine, beaucoup plus ok, là je suis à ma place en fait. Ça c'est hyper important, c'est le travail que je fais avec toutes mes, tous mes clients dès le départ, travaille sur les valeurs fondamentales et ensuite on peut mettre en place des objectifs et un plan d'action mais qui va être en accord avec ces valeurs. Parce qu'on peut mettre tous les objectifs en place qu'on veut, tout le plan d'action qui va bien et toujours pas être bien. Oui, mais j'ai mis des objectifs. Oui, mais j'ai un plan d'action. Oui, mais c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui fait vibrer tes cellules? Là, on peut se mettre en accord. Voilà, je voulais vous transmettre cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, poser vos questions si vous en avez. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.